Veuillez vous asseoir. The President, please be seated. The court is now in session. Nous reprenons l'audience. We would like now to give the floor to the defense counsel to proceed with his oral closing statement. Merci, Monsieur le Président. Mr. Hu. Thank you, Mr. President. En quelque sorte, en conclusion de in tout ce que je speaking, viens de dire to wrap up all I have said sur la reconnaissance before, des faits de Duke, with regard to the admission of the facts by Duke, comme les procureurs semblaient continuer à douter de la sincérité de cette reconnaissance, de son caractère complet. Vous vous souvenez que l'avant-dernier jour des débats, le 16 septembre 2009, j'ai posé une question en forme de conclusion à Duke. To conclude, to question que j'ai reprise which dans les propres déclarations du procureur Robert Petit. As coming from the vous savez que nous disons toujours que Robert c'est dans les Petit. Dossiers adverses que l'on trouve les meilleurs arguments. Lors de sa déclaration préliminaire, le procureur Robert Petit avait, Robert Petit, je dirais, enfin had, abordé finally, la question de la reconnaissance par l'accusé, on the accused's admission. Mais il lui avait en quelque sorte lancé un défi. But he threw down the et souvenez-vous, in front of il the avait accused. Dit ceci. And if you remember, he donc, said this. Si nous devons, so, à la fin de ce procès, at the end of this trial, établir la vérité sur we ce qui s'est passé à S21. Regarding what occurred in S21. Alors, je soutiens respectueusement then, I respectfully submit que vous devrez confronter l'accusé au fait de la cause the accused et à la seule conclusion logique que l'on puisse en tirer. The only logical conclusion that plutôt may que drawn, l'image de l'exécutant agissant contre son gré qu'il a tenté de donner pendant l'instruction quasiment inconscient des horreurs perpétrées autour de lui par ses subordonnés pendant qu'il s'affairait dans son bureau tout occupé à prendre des notes. Il était en réalité celui qui, jouissant de la confiance de ses supérieurs, mis en œuvre de manière dévouée et sans merci la persécution par le PCK du peuple cambodgien à S21. S'il l'admet, alors, et alors seulement, l'accusé pourra réellement prétendre avoir reconnu ses crimes et bénéficier des conséquences de cet aveu. J'ai toujours dit que Duke avait très largement reconnu ses crimes, bien au-delà de cette déclaration. Mais and this goes well beyond puisque tels étaient les but propos du procureur, c'est-à-dire de la poursuite, that, as the prosecution had et puisque la poursuite avait très précisément défini le cadre very clearly delimited the framework dans lequel, selon elle, which, in its view, il y aurait véritable reconnaissance de responsabilité, there would be a clear j'ai posé an actual admission mot pour mot la question à
l'accusé devant vous. Et lors de cette audience du 16 septembre, j'ai dit ceci à l'accusé. Donc, nous sommes à la fin des débats. Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Et reprenant mot à mot le procureur Robert Petit, je lui ai dit, admettez-vous que vous étiez en réalité celui qui, jouissant de la confiance de ses supérieurs, mit en œuvre de manière dévouée et sans merci la persécution par le PCK du peuple cambodgien à S21, l'admettez-vous, oui ou non? Réponse de l'accusé, oui, je l'admets totalement. Mais comment peut-il y avoir encore l'ombre d'un doute dans l'esprit des coprocureurs qui ont eu 2 mois pour rédiger 160 pages de mémoire, plus les notes, les fameuses notes de bas de page sans lesquelles nous n'existerions pas dans ce tribunal? Apparemment. It would seem. Et je n'ai pas retrouvé confirmation de ce que le bureau des coprocureurs était satisfait de la réponse apportée. Je ne sais plus ce qu'il faut au bureau des coprocureurs. With the answer given. Mais comme ce sont des personnes avisées, as these are elles ont people, senti évidemment la difficulté, et vous n'aurez pas manqué, messieurs et madame, d'observer dans les réquisitions d'hier deux mots nouveaux, qui sont apparus avec insistance pour essayer encore et encore d'accuser, pardonnez mon terme trivial, d'enfoncer l'accusé. De mon nouveau, il a agi avec zèle et avec enthousiasme. Et tant qu'il n'aura pas reconnu cela, ses aveux ne seront pas sincères. Ce n'est pas ce qu'avait dit M. Petit. C'est nouveau. Et pourtant, nous verrons encore des déclarations de Duc tout à l'heure dans lesquelles il dit « Oui !» J'agissais avec zèle. Oui, j'agissais avec enthousiasme. Alors, vous les avez, ces mots clés. Apparemment si importants. Au lieu de cela, au lieu de reconnaître ce qui était réellement dit, je ne peux pas laisser passer, je l'ai dit, les citations tronquées. I'm going to now dwell on le procureur vous a lu hier une citation de Duc you have truncated quotations. Qui aurait y avait dit, qui avait dit by Duc, who said, quand on lui avait montré une photo de lui when à l'époque, he was shown a photograph of himself, il avait dit ceci, taken at the time, c'est l'audience du 17 said, juin. And this is the et pour conclure, disait-il, si vous regardez maintenant les photos de moi à l'époque, il me semble que j'étais plutôt fier du travail que je faisais, qui était de maintenir fermement la position de classe. Voilà la citation qui vous a été donnée hier. Cette citation est tronquée. It's truncated. La fin de la déclaration de l'accusé est celle-ci. This is what the accused said subsequently, à propos de cette photo. In regard to mais avec le recul but looking back, et à l'analyse, je dirais que j'ai honte. I would say that I am ashamed. C'est choquant it et on ne peut qu'éprouver de la honte à se voir représenté ainsi en photo pour être responsable de la mort de 10 000 personnes. De plus de 10 000 personnes. For the deaths of more than 10, je n'aime pas people. Les citations tronquées. I do not like truncated quotations. Alors,
Il me semble que votre chambre so it seems to me a tous les éléments that this chamber pour dire has all the material a entièrement supporting the view that the accused fully recognized pour les crimes commis à S21, dont il reconnaît qu'il les a ordonnés, qu'il les a incités et qu'il les a supervisés. Qu'il me soit encore permis de dire quelques mots sur ce qui nous semble être l'impact positif reconnu d'une telle reconnaissance. Je me réfère notamment à l'expert David Chandler, à qui j'ai posé la question, est-ce que vous considérez que le fait pour l'accusé de reconnaître sa responsabilité sert l'histoire? Réponse de Monsieur Chandler. And Mr. Chandler answered, oui. Yes. La réponse est facile. It's an easy Je le crois effectivement. I do believe this. J'étais très ému et très impressionné par la reconnaissance de culpabilité de l'accusé. C'est M. Chandler qui parle, un des meilleurs connaisseurs de S21. C'est quelque chose d'unique parmi les survivants de ce gouvernement de Khmer Rouge. Je ne parle pas des victimes survivantes, je parle bien sûr des acteurs survivants du régime Khmer Rouge. Of the Khmer Rouge regime. J'ai entendu le docteur Chim Sotehara, psychologue, expert psychologue pour certaines des parties civiles, le 25 août 2009. A psychologist for some civil C'est parties. Une bonne He was chose speaking on the 25th of August, que l'accusé présente ses excuses. It's a good thing Cela for the ouvre to apologize. La voie It de la guérison. The road to healing. Cet expert a aussi parlé d'un This chemin also of a road pour les victimes. For the victims. Je pense aussi à la I'm déclaration, also of the statement, souvenez-vous, très vive recall, de M. Robert Amil, le 17 août 2009. Je reconnais donc le fait que Doug plaide coupable. Je suis en colère au-delà des mots. Mais par ailleurs, je respecte et je reconnais le plaidoyer de culpabilité de l'accusé. Je souhaite que, dans sa sagesse, la Chambre puisse prendre tous ces éléments en considération. Je viens maintenant sur un autre thème qui me paraît également extrêmement important, tant il a été présenté de curieuses manières hier par les bureaux des coprocureurs. En sortant du réquisitoire, j'avais gribouillé sur un petit bout de papier. Le bureau des coprocureurs vient de réinventer l'histoire du Kampuchea démocratique. The office of the co-prosecutors has just et vient de nous expliquer qu'en réalité, nous n'étions pas dans une dictature. That this was not a dictatorship. Parce que si Because le centre de sécurité S21, dont on vous a dit que c'était le plus important du pays, sur lequel j'émets quand même quelques réserves. Mais si le centre de sécurité de S21 était celui qui était à la place où vous dites qu'il était, monsieur le coprocureur, alors, si comme vous le dites, son chef avait une telle autonomie de décision
had such autonomy in decision making, qui faisait que lui-même décidait des choses, that he himself decided on things, que lui-même conseiller ses chefs, that he advised his superiors, que lui-même, j'ai entendu, je crois que c'est Madame Chiliang, faisait peur à ses chefs. And as I believe, Chia Liang said, ça n'est plus de la dictature, c'est de la démocratie participative, le cadet que vous nous avez décrit. It is, c'est quand même democracy. Un lieu extraordinaire, S21. S21 would be an son chef décide, son chef decides. Choisit. Son chef s'affranchit de toute hiérarchie. He has no c'est superiors. Ça qui nous a été expliqué hier. That is what we was explained to us yesterday. Dans les mots que vous avez employés in the words et que used, je vous ai recités mot which pour I have mot. Back to you, word for word. Alors, nous avions demandé à l'expert Raoul Génard we asked the expert, de venir Raoul expliquer Mark devant Genard, cette chambre ce que nous avons appelé la chaîne de commandement. To explain the chain of command, et nous remercions particulièrement and we are particularly Raoul Génard pour son exposé Genard parfaitement clair. For his ah, very là, aussi. Clear statement. Là aussi, j'ai and lu dans there, le rapport des coprocureurs que ça, la consultation qu'il aurait faite, qu'il avait faite, that this n'ayant pas de footnote, si vous me permettez en français, his, de notes de bas de page, not having footnotes, elle ne devait pas être recevable. Should not be mais admissible. Quelle est donc cette dictature des notes de bas de page? What is this dictatorship of footnotes, then? Vous ne pouvez pas accepter que you quelqu'un ait sa propre parole. That someone vous ne pouvez pas accepter himself? Qu'un expert parle à partir de ses propres connaissances. That an expert can speak based on his own knowledge? Madame le juge Cartwright saura ce judge dont je parle Cartwright quand je parle des peuples will know du Pacifique, what I refer to, when I refer to the où l'on dit aisément que quand on parle, said, on doit habiter ses paroles. When you speak, you must close je considère pour words. Ma part que l'expert Raoul Génard, quand in il a témoigné view, ici, habitait ses paroles. Et si vous voulez words, les contester, faites-le. Je vous souhaite bonne chance. If you want to challenge him, go ahead. I wish il est venu nous expliquer comment fonctionnait la chaîne de commandement de ce Kampuchea démocratique. In democratic Kampuchea et plus particulièrement, operated. Il vous a expliqué l'analyse que l'on peut faire à partir de cette chaîne de commandement that can be made qui est of this connue. Chain of command, which is known. Et je reprends. Toujours dans le dossier adverse, still from the files dans votre of the fameux réquisitoire party, définitif, in your final submission, illustrant les contacts réguliers entre Duke et ses supérieurs. Between Duke and his superiors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, reportez-vous au paragraphe 141 du réquisitoire définitif of the final submission des coprocureurs of the avant l'ordonnance de renvoi. Before the closing order. Qu'est-ce qui nous est dit what qui est le contraire exact de ce que nous avons entendu hier is the exact opposite of qu'est-ce what qui nous est dit yesterday. La relation de travail de Duke et Somsen était particulièrement étroite. Ils se parlaient tous les jours sur une ligne téléphonique sécurisée. C'est les procureurs qui l'écrivent. Et maintenant, ils le contestent. Duke rendait compte à Sun Sen des détails des aveux, discutait des stratégies et des cibles en matière d'arrestation et recevait les ordres de Sun Sen. Ce dernier visitait aussi fréquemment S21 pour y dispenser des formations, notamment renseigner les responsables de S21 au sujet des agents ennemis issus de la CIA et des YUN. C'est mis entre guillemets.
CIA Sun Sen se rendait aussi à la résidence de Duc. Sun Sen also went to Duc's après residence. Que Sun Sen eut quitté Phnom Penh pour after se rendre au front, Sun Sen left Phnom Penh to Duc go rendit to the compte front, à son nouveau supérieur, Nun Chi, reported to au his moins new tous les trois jours, Chia, soit en personne, at least every soit three par l'intermédiaire d'un messager. Every three days, either in Duc person correspondait or a avec Nun Chia Duc par instruction écrite et se rendait parfois à son bureau. And sometimes Duc went to his office. Était le subordonné and of course, de Sun Sen. Duc was the subordinate. Et Sun on Sen. Ne pourra pas passer à côté de ça. And you cannot ni de ce that. Que cela signifie nor concrètement. Can you avoid what it means in concrete terms. J'ai posé la question à David Chandler. Est-ce que ici vous pouvez confirmer que Duc était bien le subordonné de Sun Sen et que Sun Sen avait la haute main sur le Saint-Ebal? Réponse de David Chandler, oui, c'est tout à fait exact, et je n'ai jamais voulu dire que l'accusé avait une autonomie complète dans son activité, il était sous les ordres de Sun Sen. Et il ajoute, mais pour répondre à votre question, oui, bien sûr, ce n'était pas une opération qui tournait toute seule, en parlant de S21, c'est une opération qui était suivie de très près par plus haut. J'ai utilisé cette expression pendant nos débats. S21 était dans la main de Sun Sen. S21 était sous tutelle du comité permanent. S'il y a une spécificité de S21, c'est celle que nous connaissons, bien sûr, d'avoir reçu des cadres de l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, cela participe de l'immense complexité de ce dossier. Les procureurs ont reconnu que 78% des personnes qui ont été tuées à S21 étaient des gens eux-mêmes du régime, dont plusieurs avaient bien plus de sang sur les mains que Duc lui-même. Ça participe, nous le savons, à la complexité et de ce dossier et de la réconciliation au Cambodge, où, comme l'a dit un avocat des parties civiles, dans presque chaque famille, il y a eu d'un côté des victimes authentiques et des bourreaux. Dans presque chaque famille, on le sait, hélas. Everybody knows this. S21 particulièrement, S21, qui parmi ses victimes a d'anciens gardiens. Was where on ne peut pas, on n'a pas le droit d'évacuer cette complexité. Elle est posée devant nous. We cannot escape this fact. Mais en même temps, we cannot avoid cela it. Ne justifie à rien the same time, it does not in la any fin way justify qu'ont eu toutes ces personnes. Bien the entendu. Outcome that befell bien entendu. All these people. Sans compter que toutes ces personnes elles-mêmes all of these people avaient sans aucun doute, sauf les plus hauts, mais no toutes ces personnes avaient été elles-mêmes they embarquées dans cet engrenage. All were part of this machinery. Donc S21, placé sous la tutelle S21, du centre, which was directly controlled by the center. Alors, Monsieur le procureur a essayé hier de vous dire yesterday, the prosecutors que Duc était près des puissants, juste pour l'information de la Chambre. Ce qui est sous-jacent derrière cette idée, the underlying idea c'est ce témoin of that statement que vous n'avez finalement pas fait venir, is that qui prétendait that was not que au mariage de Duc,
avait assisté tous les puissants. At the marriage ceremony of et le bureau du procureur ne s'est jamais défait de cette idée, and the même si elle est contraire à tout, je dis bien à tout ce que nous savons maintenant du dossier. Et quand hier on a évoqué encore le fait que Doug était un frère d'armes de Sun-Sen, quand on a évoqué le fait qu'il cherchait sa promotion, qu'il cherchait à être près des puissants, c'est ça qui est derrière. Ah bon, Doug près des puissants. J'ai demandé à ce que soit versé au débat ce livre que l'on ne saurait ignorer. La biographie de Pol Pot, écrite par Philip Short, Anatomie d'un cauchemar. Alors, vous savez, quand on veut savoir la place de quelqu'un dans une hiérarchie, un des moyens, c'est de savoir comment cette hiérarchie traite cette personne dans les situations de crise. Quelle meilleure situation de crise que celle de la fuite de Phnom Penh? Écoutez bien, quel fut le sort de celui qui soi-disant était près des puissants au moment de la fuite de Phnom Penh. Et je vous lis des extraits du livre de Short aux pages 511 et suivantes. Nous sommes le 6 janvier. Sun-Sen quitta la ville le soir même, le 6, traversant les lignes vietnamiennes pour rejoindre Kompon Cham, où il s'efforça de rallier ce qui restait des divisions Khmer Rouge du front Est. Paul, Nunchia, Kyo Sampan, accompagné de plusieurs jeeps, bourrés de gardes du corps, partirent le lendemain matin à l'aube, le dimanche 7 janvier, pour Pursat. Paul était à bord d'une Chevrolet plus haute sur roues et qui franchissait plus facilement les nids de poules que la Mercedes de ses compagnons. Yang Sari, parti pour Battambang, à bord d'un train spécial, transportant plusieurs centaines de membres du personnel du ministère des Affaires étrangères avec les archives du ministère empaquetées à la hâte la veille. Peu après 8 heures du matin, on aperçut Mok au volant d'une Jeep près du ministère des Affaires étrangères. Mais quelques heures plus tard, se rendant compte que sa présence était parfaitement inutile, il partit pour sa vieille base du Mont Oral. C'est ainsi que vers le milieu de la matinée du dimanche, tous les dirigeants du Kampuchea démocratique avaient filé à l'anglaise, abandonnant la capitale à son sort. La population de 4000 ouvriers et les soldats, ainsi que les unités militaires basées au voisinage immédiat, en furent réduites à se débrouiller comme elles pouvaient en se passant de ses chefs. Where was Duke? Page 513. This is on page 398. La priorité accordée à la sécurité de Sihanouk, à la protection de Paul et des autres dirigeants, n'était que la mise en pratique du principe exposé par Nunchia plusieurs mois auparavant. Si nous perdons des membres, mais que nous conservons la direction, nous pourrons continuer à gagner. Où est Duke? Fin de page 1613. Hors du cercle étroit constitué par Pol Pot, Nunchi, Yang Sari et Sun-Sen, personne n'était
correctement informé. No one was adequately informed. Et enfin, en bas de page, and lastly, la plus secrète de toutes les institutions Khmer Rouge elles-mêmes, le centre de torture S21 à Tjolsleng, poursuivit son travail maléfique, ignorante du danger jusqu'à ce qu'il fût presque trop tard. Personne n'a songé à prévenir Duk. Nobody thought to notify Duk. On interrogeait encore des prisonniers le 5 janvier quand Duk reçut un message urgent de Nunchia lui ordonnant d'exécuter les détenus restants. Il obtempéra, mais il n'eut pas le temps de détruire les archives de la prison qui furent pour la plupart récupérées intactes par les forces d'occupation. Si vous voulez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges de la Chambre, savoir quelle était la place de Duk dans le Kampuchea démocratique, vous vous reporterez à ces éléments historiques et vous vous rappellerez que Duk est parti ce jour-là en savate et en short et à pied, bien entendu. By foot, with nothing but the shirt on his back. Donc, dans ce régime, on l'a dit, Duk était assigné à une tâche par ses supérieurs. Vous avez entendu à l'audience cette version totalement nouvelle de M. Craig Acheson. Nouvelle parce que jamais écrite auparavant dans aucun ouvrage, jamais écrite dans son propre rapport, écrit au début du fonctionnement des chambres. Et après ce rapport, M. Acheson a travaillé assidûment pour le bureau des coprocureurs et nous a livré alors cette nouvelle version absolument stupéfiante dont vous avez entendu encore quelques échos hier, cette version consistant à dire « Mais en réalité, c'est Duk qui, par son travail méticuleux, par son zèle et par son enthousiasme, alimenter la paranoïa des dirigeants du régime. Comme si les dirigeants du régime avaient attendu Duk pour devenir paranoïaques. » Alors je vous renvoie sur ce point à David Chandler, une fois encore, son livre, page 136. David Chandler. De ce point de vue, les aveux représentaient des mantras protégeant le centre du parti contre ses ennemis, mais aussi contre tout effort de compréhension de la situation réelle. Duk, Pon, Chan et leurs associés étaient simultanément des prêtres, des thérapeutes, des mineurs, des vivisecteurs et des historiens, en concoctant l'histoire à partir des fantasmes de leurs dirigeants, entre parenthèses, qui étaient probablement aussi les leurs, ils servaient bien leur maître. Ils servaient bien leur maître. Nous reviendrons sur le caractère de Duk qui vous a dit, et je pense que vous l'avez toujours en mémoire, mes maîtres me considéraient comme leur chien fidèle. Mais je continue sur ce système du Kampuchea démocratique dont encore Craig Acheson, dans son rapport,
c'est-à-dire avant d'en venir à ses thèses totalement nouvelles, dans son rapport, il nous disait le comité permanent contrôlait tous les réseaux de communication du régime du Kampuchéa démocratique. Et toutes les communications étaient organisées selon une hiérarchie exclusivement verticale. Et vous avez, dans votre dossier, vous avez déjà plusieurs télégrammes venant des d'autres régions et adressés directement au centre avec des confessions. Et donc, vous a dit, lui qui n'est pas tenu au secret de l'instruction, donc vous a dit hier, les juges d'instruction continuent encore aujourd'hui à m'interroger sur d'autres télégrammes qui viennent encore d'autres régions. C'était bien tout un système qui était à l'œuvre dans tout le pays, venant de toutes les zones, et qui était adressé de manière verticale au centre, parce que c'est là que tout se passait. Et on voudrait vous faire croire que dans ce système, Bouc pouvait avoir de l'autonomie de décision. Je passe. J'en ai parlé tout à l'heure, sur cette mauvaise plaisanterie, si j'ose dire, avec Soumet, où l'on essaye absolument, à l'encontre de tout ce qui est décrit par ailleurs, on essaye de faire croire qu'au moins avec une des zones, et au moins avec une des divisions, celle de Soumet, Duc pouvait avoir des relations horizontales. Tandis que M. Greg Exelson, quelques lignes auparavant, a écrit dans son rapport que avoir des relations horizontales était considéré comme une trahison. Il n'a pas peur de se contredire en disant, eh bien lui qui est toujours vivant aujourd'hui, il a trahi et il a eu des relations verticales, horizontales, avec Soumet. Mais à qui peut-on le faire croire? Maître Karsavoud vous a longuement parlé hier de cette décision du 30 mars 1976. Je n'y reviens pas. Je rappelle qu'en fonction de cette décision fondamentale, secrète comme bien entendu, puisque tout était secret, en fonction de cette décision, cette révolution-là, comme beaucoup auparavant, l'expert Génard vous a rappelé l'Union soviétique. Et le Français que je suis n'ignore pas que l'Union soviétique s'est inspirée du régime de la terreur qui a eu cours en France après la révolution de 1789. Comme toutes les révolutions, elles se nourrissent de ce fantasme des ennemis de la révolution et des contre-révolutionnaires. Mais plus que partout ailleurs ici, oui, il a été adopté une politique d'élimination systématique des ennemis, d'une recherche systématique des ennemis, et une fois qu'ils étaient trouvés, ils étaient livrés à S21, comme dans d'autres centres, pour la sinistre besogne qui consistait à les interroger pour justifier leur arrestation a posteriori, puis à les éliminer. And then they were eliminated. C'était là la sinistre tâche de Duc. This, comme l'a encore rappelé David Chandler le 6 août 2009. As David Chandler reminded us.
Je pense que l'accusé à S21, son rôle était de veiller à ce que qui que ce soit entrant dans la prison devait être exécuté. Telle était sa mission. Ce mandat ne lui a jamais été retiré par quelque autorité que ce soit. Par conséquent, il n'avait pas besoin de chercher l'approbation d'une autorité supérieure pour mettre en œuvre et superviser un système dans lequel on n'avait pas le choix de savoir qui devait être tué et qui ne devait pas être tué. Qui que ce soit entrant à S21 devait être exécuté, quelle que soit la situation. Sinistre, terrible besogne assignée à Duc. Mais besogne qui s'inscrivait, hélas, dans une politique décidée à un niveau qui échappait totalement à Duc. Et je dis que là aussi, c'est une véritable réécriture de l'histoire, pour ne pas utiliser un autre mot moins gentil, que de prétendre que Duc, dans cette hiérarchie de commandement, avait quelque possibilité que ce soit de choisir lui-même ou de conseiller des arrestations. On reviendra tout à l'heure sur quelques contre-vérités utilisées sur les fameuses listes qui étaient demandées à Duc. Greg Isaacson toujours. Il existait une purge constante au sein des rangs. Au fil du temps, cette purge s'est produite partout dans le pays et dans de nombreux endroits. C'est pas S21. Le processus de purge s'est produit encore et encore et encore pour les mêmes bureaux aux mêmes échelons. Je le répète, 12 380 morts à S21, c'est 12 380 morts de trop. Mais ça ne sont pas les 1 700 000 morts que l'on doit reprocher à ceux qui étaient les dirigeants de ce régime criminel. Et Greg Isaacson cite un extrait du drapeau révolutionnaire. Vers le milieu de l'année 78, le centre du parti a décrit le processus de purge du parti dans une édition spéciale du magazine du PCK, Drapeau révolutionnaire. C'est Greg Isaacson qui parle. Le centre du parti attachait une attention particulière à la nécessité de rechercher les ennemis à l'échelon du secteur, déclarant ce qui suit. Nous avons pu éliminer proprement plus de 99% des grands ennemis méprisables, cachés, se terrant à l'intérieur. Les choses doivent être examinées de la sorte dans tout le pays. Chaque secteur doit être examiné de cette manière. Chaque district doit être examiné de cette manière. Chaque coopérative doit être examinée de cette manière. L'armée, les ministères et les bureaux doivent être examinés de cette manière. Tout ça est entre guillemets. C'est une citation extraite du drapeau révolutionnaire qui était, nous le savons, l'œuvre de Pol Pot. Et encore ceci, nous devons considérer comme essentielle la tâche de lutter contre l'ennemi intérieur qui est liée à chacune de nos autres tâches. Chaque niveau du parti doit dès lors jouer le rôle consistant à diriger l'armée et le peuple afin de s'attaquer à tous ses ennemis, de les éliminer proprement, éliminer, éliminer, éliminer encore et encore sans relâche.
de sorte que les forces du parti soient pures, que nos forces dirigeantes à tous les niveaux et dans toutes les sphères soient toujours propres. At all levels and in all spheres would be pure. Quel était, à partir de ça, le travail de Duc concret, what was concret the actual à S21 pour recueillir des aveux. In S21 to elicit Moi, je veux bien que l'on échafaude des thèses you may very well totalement à l'encontre du système que l'on vient soi-même de décrire. Mais il y a des éléments au dossier. Il y a des éléments au dossier qui sont extrêmement parlants. Vous savez, plus que les témoins, les documents. Les documents. Alors, ce fameux carnet des interrogateurs qui a été appelé bizarrement liste de statistiques de la branche spéciale S21, politique, idéologie, organisation. Et je donne exceptionnellement le numéro ERN, which is 4 Ankmer, 40 7445. 7513. Donc 40 7445 à 7513. Les procureurs avaient appelé ce document fondamental. Fondamental. Manuel de la torture. Souvenez-vous. J'ai interrogé le témoin Prakal, pour qui vous vous souviendrez aussi que je n'ai pas une particulière confiance sur ses propres déclarations par ailleurs. Mais là, je lui ai parlé d'un écrit. Et je lui ai posé la question suivante. Monsieur le témoin, and I put the question to him as follows. Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions I would like to put to you à partir d'un document qui figure au dossier based on a document which et is que l'on considère comme étant le carnet d'un interrogateur. Considered to be an interrogator's Donc un carnet, je le précise à la Chambre, notebook. Qui aurait été écrit lors des séances de formation que donnait Duc. Nous sommes dans ce contexte, le centre recherche des ennemis, les envoie à Duc pour qu'ils fassent des aveux, Duc forme les interrogateurs, et nous allons voir grâce à ce cahier qu'est-ce qu'il dit aux interrogateurs. Ça, ce n'est pas du témoignage, c'est ce qui est écrit. Alors, je pose la question à Prakal. So I put the question to Prakal. Il y a un chapitre qui est intitulé Instruction de Duc lors des séances de formation. During training sessions. D'accord, pardon, c'est pas un chapitre, c'est pas dans le. Excusez-moi, c'est notre intitulé. This is our title, not the title of the original. Dans la version française. À la page 9 de ce document, liste de statistiques. J'ai dit au témoin Prakal, je lis ceci. Écoutez bien, monsieur le témoin. L'encart nous instruit de bien interroger intensément. Nous avons bien suivi cette instruction. Mais nous donnons plus de poids à la torture qu'à la politique. To torture than to politics. Ceci est contraire à l'instruction this selon laquelle nous devons nous servir de la politique. That we should use politics. Plus bas, further down, dans le même document, in the same document, sous l'intitulé Objectif d'amélioration du travail, under the title, il est noté trois points. Work. Premièrement, three points. Utiliser la politique First, comme base. Use politics as Deuxièmement, basis.
suivre les réponses comparatives de manière détaillée avant de recourir à la torture. Troisièmement, respecter strictement la discipline de l'encart pendant l'interrogatoire. Et j'ajoute pour le témoin, je vous poserai une question plus loin, mais je continue mes questions, monsieur le témoin. I'm going to page 13 en français, paragraphe 3, and we move now to point de vue et position sur les méthodes d'interrogatoire. Il est indiqué encore ceci dans le document. Premièrement, les mesures pour chacun de nous pendant l'interrogatoire sont de deux sortes. Petit a, pression politique. Nous devons la faire de manière soutenue et à tout moment. Petit b, l'utilisation de la torture est une mesure complémentaire. Il est indiqué, deuxièmement, des expériences du passé de nos camarades interrogateurs étaient en général accentués sur la torture, c'est-à-dire donner plus d'importance à la torture qu'à la propagande. Ceci est une expérience erronée et nous devons nous en rendre compte avec détermination. Et j'ai dit alors au témoin Prakan, monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle ce que vous entendiez dans les séances de formation ? Réponse du témoin Prakan, oui, j'ai entendu ce que disait Duk à l'occasion des séances de formation, oui, j'ai entendu cette théorie. C'est ça la personne cruelle qui vous a été présentée hier, celui qui dit on cherche d'abord à agir par la pression politique et on utilise la torture que si ça n'a pas marché. And we use torture only as a last resort. Et j'ai continué mes question au témoin Prakan, toujours dans le même document. Document. Point de vue et position vis-à-vis des confessions des ennemis. Il est écrit ceci, les laisser parler ou écrire. Il ne faut pas les interrompre, il ne faut pas les rectifier tout de suite selon notre intention. We mustn't rectify what we hear or see immediately according to our intentions. À l'exception des points que le parti suggère et que nous leur demandons parce que le parti saisit bien la situation. Because the party understands the situation. Mais si nous insistons sur les noms ou les activités, ils vont inventer des choses conformément à notre intention. They will invent things based on what we Ce faisant, nous allons perdre les forces révolutionnaires, ils vont rendre confuse la situation révolutionnaire, rendant le contenu des confessions vagues et sans valeur. Et plus loin encore dans le même texte, l'essentiel est que nous ne devons pas pointer les noms, ne pas les faire parler ou ne pas les forcer à parler selon notre intention. Et j'interroge alors le témoin Prakan, est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Oui, répond le témoin, c'est un point qui nous a été enseigné. Parce que si on forçait les prisonniers à répondre ou à écrire à l'extrême sur la question de leur activité, cela ne servait à rien. Donc, il fallait leur expliquer comment écrire un texte qui soit clair et compréhensible, et ça, c'était l'instruction que nous donnait systématiquement Duk. Moi, je veux bien qu'on raconte des histoires devant un tribunal pénal international, mais il y a des documents, ils sont au dossier. Alors, on prend les documents, on regarde les documents,
Et on essaye à partir de ces documents de faire émerger la vérité. Pas ce que l'on voudrait soi-même croire, la vérité. La vérité, c'est aussi de parler du régime de terreur. Comment peut-on extraire Duc et S21 du régime de terreur? Juste quelques rappels. Raoul Jénard, encore, qui cite un slogan de l'époque, qui proteste est un ennemi, qui s'oppose est un cadavre. Est-ce qu'il y a besoin de longs développements devant ce type de slogan? Craig Chesson encore, dans sa déposition du 28 mai, je pense personnellement que les dirigeants du Kampuchea démocratique ont explicitement employé la terreur comme moyen de contrôle. Il n'en fait pas partie. Chandler, dans son livre, page 66, version française, ce changement inaugura le règne absolu de la terreur qui se maintint jusqu'à l'effondrement du Cadet. Alors, j'ai interrogé, vous vous en souvenez, David Chandler lors de sa comparution le 6 août 2009 sur cette paranoïa. Oui, dit-il, la paranoïa a commencé au centre, pas à S21. La paranoïa a commencé au centre et ensuite s'est diffusée dans les rangs. La paranoïa des dirigeants a continué. Et si l'ennemi le plus dangereux était l'ennemi invisible, il n'y a pas de fin puisqu'on ne peut pas le voir, l'ennemi. Souvenez-vous encore de Madame Sironi, l'expert psychologue, 1er septembre 2009. Et la paranoïa galope, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas. Rien n'apaise le paranoïaque. Nothing assuages a person who is paranoid. Nous avons évoqué hier, dit-elle, she said, un diagnostic psychopolitique au sujet de l'accusé, mais aussi of the accused, au sujet, on pourrait dire, but also, de l'ensemble d'un pays, of an entire country. À savoir que petit à petit, l'ensemble du pays, little by little, the entire tous les rouages, country, vont fonctionner de la même manière qu'un individu. Le changement psychologique que demande l'adaptation de la psychologie d'un individu au changement de régime. Et à un moment donné, les deux fonctionnent de la même manière. Sauf que tous les individus du peuple ne deviennent pas paranoïaques, mais ils doivent s'adapter, développer des mécanismes psychologiques d'adaptation pour s'adapter et survivre à ce régime, à savoir la dissimulation, le clivage aussi, peut-être l'excès de zèle, l'hyper-adaptation pour la survie, pour lutter contre la terreur. Et ce climat de terreur, Duc, mais aussi combien de
de témoins qui sont venus devant vous l'ont retraduit à S21. Je prends quelques citations. So I now move on to a number of quotes. Donc le 16 septembre 2009. Je ne savais pas si j'allais être mis en cause pendant mon travail à S21. Mais dans la réalité, j'avais très peur de toute manière. J'avais l'âme au bout des cheveux, dit-on en Khmer. Souvenez-vous de l'expert psychiatre, le docteur K. Sumbonat. Souvenez-vous de ce moment. L'accusé, dans le cas de Von Vett, qu'il fallait tuer, n'avait d'autre choix que de tuer ou d'être tué. Et pour survivre, il a donc choisi de tuer, ou plus exactement de faire tuer. Ça, c'est moi qui le rajoute. This is my addition. Le docteur poursuit. And the doctor continues. L'accusé était membre du parti. L'autre, en l'occurrence, était aussi membre du parti. Non, pardon. L'autre, en l'occurrence, était membre du centre du parti. Was a member of the center était, of the party, en principe, un modèle. And was in principle a model. Mais l'accusé était lui-même un instrument absolu entre les mains du parti. Et en tant que tel, il devait un peu fonctionner comme une machine. Une machine obéissante et respectueuse des ordres et des instructions. Il recevait des instructions qu'il ne pouvait contester et il s'est ainsi retrouvé dans cette situation où il a dû choisir de tuer ou d'être tué. David Chandler, encore. We return to David Chandler. Le 6 août 2009, dans sa déclaration, parlant de Duke. On the 6th of August 2009, referring il a été effrayé, dit-il en parlant de Duke, effectivement, parce qu'en quelque sorte, le régime semblait devenir tout à fait arbitraire. Il y a beaucoup d'indices comme quoi, si les Vietnamiens n'étaient pas entrés au Cambodge, Sun Sen lui-même serait passé à la trappe. Sun Sen himself would have faced on sait qu'il y est passé quelques années plus tard. We know that it happened to il y avait donc, poursuit Chandler, une peur généralisée à ce stade. There was widespread fear at the time. Et donc, ajoute Chandler, dans ces derniers mois, ces 6 derniers mois peut-être du régime, c'est vrai qu'il y a des documents qui font état de regrets de la part de l'accusé. Alors, certes, il a eu peur. Cela est aussi conforme et cohérent avec ce qui se passait à l'époque. Je voudrais, avant la pause, aborder enfin la question du secret, rapidement, qui va avec la terreur. Chandler, encore une fois, le secret, naturellement, était quelque chose de central pour l'idéologie et le comportement du Kampuchea démocratique. Et Nun Chia l'a dit très clairement lorsqu'il a reçu la visite d'une délégation danoise en 1978. Il a dit, je ne me souviens pas des termes exacts, mais que le secret était au cœur même du gouvernement du Kampuchea démocratique. Et l'on voudrait encore nous faire croire que ce comité permanent ne fonctionnait pas en secret par rapport à S21. On voudrait nous faire croire que Duc avait accès au secret du comité permanent. Deliberations of the Standing Committee.
Vous retrouverez dans les statuts du PCK, à l'article 2, devoir du membre du parti. Et si on peut reprocher beaucoup de choses à Duc, en tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fidèlement suivi à la lettre les obligations de tout membre du parti. Et parmi ces obligations, s'efforcer de garder le secret du parti absolument avec une vigilance révolutionnaire haute en permanence. Quelqu'un ici croit-il que Duc aurait désobéi à ça? Quelqu'un ici croit-il que Sun Sen aurait désobéi à ça? Et Raoul Génard, dans sa même déclaration, le Parti communiste du Kampuchea, à partir de 1963, opère dans la clandestinité. Il met en œuvre une pratique du secret et une méthode de cloisonnement qui deviennent un mode de direction du parti. Et à partir de 1975, un mode de gouvernement du pays. C'est ce secret qui était aussi à l'œuvre à S21 même. C'est ce secret qui entourait S21, comme le rappelle Short, qui fait qu'S21 n'était connu de personne à l'extérieur, à part son supérieur. Et les membres du comité permanent. Et c'est la raison pour laquelle, oui, même si quelqu'un rentrait par erreur à S21, il était éliminé parce que personne ne devait savoir à l'extérieur ce qui se passait à l'intérieur. Et ça, c'était les ordres qu'avait reçus Duc. Camarades, vous maintiendrez le secret absolu, conformément à l'article 2 de vos devoirs de membre du parti, avec une vigilance révolutionnaire haute et en permanence. Monsieur le Président, je pense que l'heure est venue de la pause. The President. Since it is an appropriate time to take an adjournment for lunch, we shall now take the adjournment, and the session will be resumed by 1:30 p.m. The security personnel are now instructed to take the accused to the waiting room or to the detention facility and bring him back to the courtroom before 1:30 p.m. La greffière, mesdames et messieurs, veuillez vous lever.